C'est la suite de la campagne solo de Call of Duty Modern Warfare partie 2. Et là, nous en étions à la mission partie de chasse. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, c'est le moment de le faire pour me soutenir. Je rappelle que je suis sur Twitch, je fais pas mal de vidéos en ce moment, je suis également sur YouTube et sur Instagram. Loading. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un changement comme ça. When you want. Temps de boire un café, même trois là. Alex, Ah, Marines, welcome. viens de foncer dans le merdier. Welcome in the army. Vous allez découvrir une zone pleine de cibles. In Faites the la route. army, no. On a intérêt à rester sur nos gardes avec tout ce bordel. Suivez le blindé, ne le perdez pas. Viper, vous êtes où? Viper, en route vers le point de contrôle. Ah, c'est marrant ça. On a des pièges dans l'alcôve, sergent. Verdict 3-1. Vous pouvez les désamorcer? Compris, je m'en charge. Désactivé. On t'attend, allez, règle-nous ça. C'est bon. Marines, c'est réglé. Bien joué. Suivez le blindé, ne perdez pas. Soldats, go go go! Wow! Ah ouais, d'accord. Mitrailleuse à 12 heures, bâtiment bleu, deuxième niveau. On tourne avec un fumigène par le côté haut. Balance un fumigène. En avant, reçu. S'il veut courir, ça serait bien. Les allers radio direct quand on est dérangé en pleine partie. Bon, c'est pas grave. Ah putain, faut recommencer en plus. Relou. Go 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 gun 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 gun. C'est vraiment des armes dégueulasses. Go 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 go. Whoa 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 whoa, ah ouais. Utilisez le lance-grenade. Boom. Putain, les schlags! Eh, hey, ils visent archi bien!
Sérieux? Merde. Oh là là, mais c'est un truc de ouf. Ou je suis vraiment une quiche, sérieux. Oh là là. Putain, attends. Ah ouais, bah oui. Forcément, si l'autre là-haut, là, il nous casse les couilles aussi. Oh là là, et puis la mitrailleuse, elle me vise que moi, c'est un truc de ouf, sérieux! Mais sérieux! Y'a rien, y'a rien! Bah oui, mais pousse-toi! Ah, mais l'autre attire. Y'a pas un autre gars là? Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Voilà, tire dessus. Ouais. Putain, c'est un bordel. Oh là là! Ouais, mais... Allez, avance! Allez, on fait le ménage! Go! Tiens, donne-moi la M4 là, parce que les autres, elles commencent à me casser les couilles. Sérieux? Ok. Alors. Ouais, j'ai vu. HDMI. Oh là. Qui déconne. Hop. C'est bon. C'est mieux. Ah. Ah. Under control? No. Bon. Nettoyer. It's clear. Clear. Okay, alright. Clear. Not clear. C'est bon. Alright. Compris. À toutes les équipes, rejoignez le convoi. C'est une blague. Mais c'est une blague, mais il m'arrive des trucs de ouf qui m'arrivent. Non mais sérieux là, la grenade elle était au moins à 20 mètres là, c'est quoi ce délire? Non mais vas-y là. Putain, casse les couilles. Ah c'est pas la grenade, c'est quoi là? C'est quoi ce bordel? Putain, je comprends rien sérieux. Ah. Rejoignez le convoi. Non mais d'accord, il va trouver l'homme qu'il surnomme le loup. Demon 1-2 arrête Hammer 7.
par les troupes qui défendent l'entrée sud de l'hôpital. Demande tir de suppression immédiat. À vous. Compris, Demon 1-2. Je sais pas, c'est bizarre. À la position visuelle. Cible contrôle. C'est vraiment bizarre. Et franchement, je comprends pas tout. Hein. Il y a un trou là. Ça me fait penser à Black Ops, comme dernier Call of Duty, je précise. Ah non, c'était... J'avais joué à Black Ops, c'est ça. Mais il y avait une scène comme ça où on restait caché derrière. Toutes les unités, la voie est libre. Derrière un camion dans la neige. T'as l'entrée de l'hôpital en visuel? Ouais. Why? Forcément. Non mais c'est bon. Bah mais c'est bon là. Wow 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 wow. C'est la guerre. Non mais putain, ça me saoule, putain, mais merde! J'en ai marre d'être une quiche là! Putain! Ça me casse les couilles, putain de merde! Putain, c'était pas aussi dur les anciens Call of Duty là! C'est quoi ce délire? Putain de merde! Casse les couilles là! Ouais, me casse les couilles là! Vas-y, dégage! Voilà! On va faire croire qu'il fallait que je joue en recrue non plus, ça va. Mais merde, non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais non. Ça va me saouler. Y'a des potes qui sont là mais qui servent à rien. Sérieux? Ils font quoi les mecs? Bon, déjà tout le monde me tire dessus. Eux ils sont. Ils ont pas de balles. En plus ils tirent même pas quoi, c'est. De ouf. Bon, on peut y aller là. Et là je me prends une. Non mais sérieux. Hop. Dégage-moi ça de là là déjà. Mais regarde, regarde, regarde. Mes potes ils visent le mec mais ils tirent pas. C'est quoi ce bordel? L'intelligence artificielle elle est dégueulasse. C'est quoi ce bordel quoi, sérieux? Enfin voilà. Les mecs sérieux, ils sont là et ils font rien. Toutes les unités, lobby sécurisé, aucun signe de loup. Ok, good. Les gars se mettent en chasse. Faut qu'on chope ce salopard, Griggs. Oui, mais on le veut en vie, quoi. C'est compris. Bougez les civils, bougez. Avancez, bien sûr.
ferait plus qu'il y ait des infirmiers déguisés. Ça, ça me... Il a là. Ah là là là. Oh, ils sont morts ou pas là? Eh mais eh, non mais ça, regardez lié. J'ai jamais vu des coéquipiers aussi pourris. Ils font rien les mecs. C'est un truc de dingue. Ici. Peut-être une embuscade. Entre-moi tes mains. Où est le truc? Vérifiez-les. Un par un. Bouge pas. Bouge pas d'un millimètre. Je suis sûr qu'on doit tous les buter. Il y en a... Assez devant, 3-1. Demon 3, ici 1-2. Vous en êtes où? Pense que tu ne bouges plus, toi, tes mains. Okay. Tirez pas. Un tireur. C'est bon. Quel enculé, lui, mais quel enculé. Demon 3, vous recevez. Attention. Demon 3 a disparu, sergent. Trouvez-les. Ah ouais, ah ça tire de ouf. La mitrailleuse est en train de recharger. Je suis à couvert. Ouah. Je vois un groupe d'ennemis en mouvement. Attention à cette fenêtre.
C'était un plaisir, sergent. Nouvelle de Demon 3 ? Aucune, sergent. Allez voir dans la pièce. Compris. Bouge pas, je vais désamorcer ça tout de suite. Caméra prête. Tes hommes ne te le loup est là. Vous êtes ici pour me tuer, mais vous, vous mourrez à cause de vos bombardements sans fin et de vos guerres par procuration. Est-ce que vous voyez tant que vos missiles et vos balles continueront de frapper notre peuple? Nos couteaux continueront de vous trancher la gorge sans fin en reprise. Présence du loup confirmée. Trois marines pris en otage. Il va les tuer. On doit y aller. Les enfoirés. Prenez l'air vert. Je passe par devant. Trouvez un moyen de contourner. Oui. Bien joué le piège. Les gars vous attendent. Rouillez-vous. On est prêt. Prenez cet animal vivant, Alex. Ne le tuez pas. Neutralisez-le. C'est bon. Yes, bien joué, opération réussie. T'inquiète pas, on est là. Le loup est là. Ouais, Briggs. Omar Sulaiman, vous êtes en état d'arrestation par les forces spéciales. Faites exactement ce que je vous dis, ou vous êtes un homme mort. Parfait. À toutes les équipes, les Marines vont bien, le loup est dans le sac. On l'emmène à l'ambassade. Echo vous attend au deuxième niveau. Attention, premier point d'entrée dégagé, mais la fenêtre sera rapidement fermée. Compris. Atterrissage dans 3 minutes. Terminé. 3 minutes. Dans 3 minutes, mes hommes seront entrés et ils vous auront tous tués. J'ai choisi de vous prendre vivant, mais je peux encore changer d'avis. Vous vous trompez de cible. Tu mens. Dis-leur ce que t'as fait. Nous n'avons pas volé ce gaz. Alors qui? Quelqu'un de très dangereux. Où est le gaz? Si je le savais. Le boucher est dehors. Ils vont brûler la ville s'il le faut. Sauve ta vie, ma fille. Rejoins-nous. Ne lui parle pas, toi. Hé, on se calme. Je ne suis pas ta fille, vieillard. Je mène des soldats. Toi, tu formes des tueurs. On est tous des tueurs ici, non? Ils sont là. Il faut qu'on y aille. Vite! 3-1, 2-6, ça tire. On sécurise le VIP, je vous recontacte. Compris, 3-1. Bravo et sursis, changez de position pour les vagues. 30 secondes. Compris, 30 secondes. Il y a un groupe de personnes non identifiées en mouvement à la porte principale. Les hommes d'Alcatala sont là. Renforcez notre périmètre. On se pose sur le toit. On doit vite trouver Echo. Ça arrive en masse vers eux. Reste allumé. Arme de faible calibre. Lance roquette. On est équipé. Dégagez vite. Ça va. Echo 3-1, l'extraction a échoué, on est sur le toit. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Il y a une pièce sécurisée au sous-sol. Allez-y, on vous retrouve là-bas. Bien sûr, on est en route. J'ai que ça comme arme. Ok.
Ah oui, lui il a tout ce qu'il faut. Moi j'ai plus qu'un petit pistolet. On doit atteindre la pièce avant les hommes d'Alcatala. Ah les schlags. Et les civils, capitaine. Alcatala est là pour le loup. Nous aussi. Enfin, vous voilà. Il leur faut 5 minutes pour terminer. Qu'est-ce que je peux faire? Trouvez des armes, barricadez les portes. Mais vous êtes là pour une extraction! Pas la vôtre. Oh. Ouvrez ça. Fermez derrière vous. Le loup est à l'abri dans la pièce sécurité au sous-sol. Attention, le boucher se trouve à l'extérieur avec un t-shirt jaune. Je l'ai en visuel. Oh, c'est archi lent la campagne. Il nous faut un autre point d'extraction, vite. Pareil. On va les supprimer, capitaine. Négatif, s'ils atteignent ce côté de la vitre, ils arriveront au loup avant nous. C'est bon. Affirmatif. Bien, passez devant. Toi, ouvre ça tout de suite. Tout le monde recule. On veut juste le loup. Inutile de verser plus de sang. Qui a la carte? C'est moi. Alors quoi, capitaine? Tu vas les laisser mourir. Papa, vite. Il va. Sauve sa vie, sergent. Maintenant, c'est... Donne le loup. Tu es trop faible. Bon, d'accord. Ça sert à quoi de dire que c'est pour que je meure de me dire d'ouvrir? C'est vraiment des cons. Hein. Franchement, il y a des trucs, faut comprendre. Hein. Je vois pas la logique en fait. Toi, ouvre ça tout de suite. Tout le monde recule. On veut juste le loup. Inutile de verser plus de sang. Qui a la carte? C'est moi. Alors quoi, capitaine? Tu vas les laisser mourir. Papa, vite. Allez, on y va. Sauve sa vie, sergent. Maintenant, c'est... Donne le loup. Tu es trop faible. Amenez le pick-up. Mais on l'aura. Croyez-moi. Un véhicule ennemi en approche, c'en est où pour l'extraction? Le bâtiment est bouclé. Impossible de sortir, capitaine. Ah bah voilà. Allez, mais... Putain, mais c'est un bordel. Mais sérieux, c'est trop un bordel. LV5. Avancez. Oh, l'ennemi a pénétré à la tête. Bien reçu. Je te vois. Au nord. On veut le loup. Vide où il est. Quel type. Ah bah ouais, mais bon. Oh, ça devient relou hein, la campagne, hein. Franchement. On peut rien faire en fait. Sans être sanctionné, c'est... Oh, oh. C'est relou. Bon d'accord, voilà, hein. Voilà. Là, tu vois, j'aurais touché l'autre, ça aurait été fini. Heureusement que j'ai bien visé. Voilà, là, il balance une grenade. Voilà. C'est de la merde, c'est de la daube. Voilà. Voilà. Il y en a un là, coucou. Sors. Voilà. Voilà. Ah bah. Ah, ils étaient alignés les mecs et. Ah bah, ok. Pfff, ça mal foutu. La porte du sous-sol, Karin. Passez devant. C'est fermé à clé. Je m'en occupe. Oh, bien joué. Bien joué. C'est pas moi qui allais l'arrêter. Ouh, non.
Bon, vas-y, ta gueule, toi, crevez tous, bon enfoiré. Reçu. Attention, il y a des ennemis à l'extérieur de l'abri. On s'en occupe. On sait jamais. Allez, on en va. Dites-leur qu'on est là, sergent. On y est. Farah, toujours dans les bonnes causes? Toujours, capitaine. L'ambassadeur n'a pas bougé, chef. Il est coincé. Ok, surveillez-le, on peut avoir besoin de lui. Adir, merci du coup de main. C'est un honneur. Salopard. T'es mon seconde. Oui, vous étiez dans notre camp. Le loup combattait pour la liberté. Je le fais toujours, mon frère. Les hommes du boucher se rapprochent de l'ambassadeur, capitaine. Compris. Kyle, sur les caméras. Vous guiderez l'ambassadeur à l'abri. On aura besoin de sa carte pour ouvrir les portes. Les autres avec moi. D'accord. Monsieur l'ambassadeur, vous m'entendez? Je vais verrouiller la porte. On va vous sauver, monsieur, on va vous sauver. Ah non. Dommage. Bah. Il y a un ambassadeur en moi. L'ambassadeur est mort, mais je peux vous envoyer son assistante. Allez-y, on a besoin de cette. Allô. Allô, vous m'entendez? Allô. Ici le sergent Kyle Garrick. Stacy Davidson. Je suis Stacy Davidson. Exactement ce que je vous dis, et tout se passera bien. Juste ici, vers un endroit sûr. Prenez la carte magnétique de l'ambassadeur et dirigez-vous vers la porte. Bon, j'ai la carte magnétique. Et maintenant, d'accord. Il y a un homme dans le couloir. Il risque de voir. Ne bougez pas. Je dois passer sur la caméra du couloir. Passez à droite. Il y a un meuble à l'extrémité du couloir. Dépêche-toi. C'est bien. Il y a un chariot près de la porte. Restez baissé. Le pilier. C'est ce fumier de boucher. Je sais pas. Il faut pas trouver. Arrête de mentir. Le loup est là. Il y a un chariot près des étagères. Allez-y. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je suis qu'un analyste. À l'autre bout. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Cachez-vous près du corps. Je n'ai pas quelqu'un d'autre. C'est toi, Pierre. Toi, qui n'as pas ta place dans mon pays. Ces terres ne vous appartiennent pas. Sergent, vous êtes là? Non, attendez, je vous en prie. Tu veux que j'aille dans ton pays et que je tue. De l'autre côté du bureau. Allez. Non. Je peux pas vous aider. Dommage pour toi. Allez jusqu'à la porte. D'accord. Ils passez dans le couloir. Toutes continuez jusqu'au bout du couloir. Passez le coin. Bien. Très bien. Cachez-vous près de la porte. Très bien, très bien, très bien. Ensuite, alors. Bah, les ennemis. Non, là-bas. Vas-y. Non, je vais où? Voilà, 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 voilà. Non, voilà plutôt, tiens, voilà. Oh, Adam. Non, non, non. Stacy, ramassez le téléphone. Stacy. On va te sortir de là. Merde, Stacy, laissez-moi. Elle est folle, elle va se faire buter. Ne criez pas, Stacy. Ne bougez pas. Chez moi. C'est pas moi mal aussi. Cette scène-là, j'aime bien. Vous allez rentrer chez vous, Stacy. Vous y êtes presque. Il est parti. Il est parti, il est parti, il est parti. Passez dans ce box. Ah, là, c'est bien voté, c'est bien voté. Continuez, le suivant. Allez dans l'autre box. Pêche-toi. Bien, ma beauté. Bon, très bien. Dépêche-toi. Le box suivant. Allez. Reste là, ma beauté. Faut aller où, en fait, parce que... C'est bien beau, mais... De l'autre côté, maintenant. Collé au mur. J'y vais. Ah, c'est peut-être aller là-bas. Allez jusqu'au tableau.
Il y a un garde qui bloque la sortie. Vous allez devoir faire diversion. Qu'est-ce que je dois faire? T'es où là? Ah. Allez à la déchiqueteuse. Voilà. Maintenant, allumez-la. De l'autre côté. Voilà. Foncez vers la sortie. Courez. Voilà, bien joué. Voilà. Good job. Faites-la sortir. Sergent, on a le colis. On se regroupe sur le parking. Bien reçu, chef. À toutes les stations, l'ambassade est tombée. Les marines organisent un point de rendez-vous à la résidence de l'ambassadeur. Ici le capitaine Price du SAS. On avance dans votre direction. Bien reçu, capitaine. Les marines ouvriront l'œil pour vous. Eric, on s'en va. Bien reçu. À dire. Surveille sous la main. D'accord. Quel est le plan? Retrouver les marines dans le complexe sud. Il est où, ce complexe? Pas très loin. Par la ruelle, de l'autre côté de la rue. On y va. Bon, Garrick, ouvrez ça. Tenez. Merci, sergent, vous m'avez sauvé la vie. Et cette carte pourrait tous nous sauver. Préparez-vous. Et attendez-vous à de la résistance. Ils sont ici. Restez derrière moi, madame. On avance. Garrick, utilisez la carte magnétique. Faites-nous entrer. Ici Bravo 6, SAS. On est dehors. Ok. Je sais pas que vous alliez y arriver. On a besoin d'une pièce sécurisée pour placer un prisonnier. À vos ordres. Il y a une pièce sécurisée dans la résidence. Suivez-moi. Ça fera l'affaire. Faites le guet. Prudence. On viendra le chercher. Je ne serai plus là, mon frère. Mais on se reverra bientôt. Ici 06, j'ai besoin d'un soutien aérien immédiatement. Négatif 06, je peux pas risquer un autre appareil. Kate, trouvez-moi quelque chose, la ville entière veut notre peau. Le seul drone à proximité a besoin d'un ravitaillement. Il pourra pas rester longtemps. Envoyez ce que vous avez, terminé. Alex, Adir, direction nord, vous couvrez ce toit. Kyle, Farah, vous venez avec moi. Reçu, capitaine. Bien reçu. Capitaine, les marines peuvent s'occuper de l'ambassade s'ils nous suivent. Y a rien ici, mon capitaine. Ils vont revenir. Ils vont revenir de l'autre côté. Qu'est-ce que t'en sais? J'aurais fait pareil. Elle a raison. On se repositionne de l'autre côté du toit. Tout de suite. Allez-y. Je veux quelqu'un qui couvre ce champ. Sergent, prenez un fusil de précision dans la boîte derrière nous. Prenez un fusil et observez le terrain. Je veux qu'on surveille ce café de l'autre côté du champ. Surveillez à 12h. Pardon. Plusieurs heures en âge de combattre. Pas armé. Restez concentré. Deux de plus. Farah. C'est des messagers. Ils regardent vers nous. Les quittez pas les yeux. Je m'en occupe. Quelque chose les a effrayés. Regardez à droite, deux de plus. Ils s'arrachent. Il y a un truc qui cloche. Il y a d'autres civils inconnus à l'extrémité du terrain vague. Analyse en cours.
C'est militaire ça. C'est pas des civils hein, qui courent là. Les combattants, ils sont là pour nous. Hé, hey, regarde. Ils avancent vers nous. Merde, je les ai perdus. Alex ? J'ai rien. Attendez, j'ai du mouvement à mi-distance. 11h. Où ça ? Négatif, c'est juste le vent. Ne tirez pas. Négatif, c'est juste un sou de ma gueule. Ils nous observent, capitaine. Encore un mot et je vous envoie là-bas. À vos ordres. Ils visent les lampes ! Autorisation d'engager ? Engager quoi ? On voit rien. Surveillez l'air. Envoie une fusée. On peut les neutraliser si on y voit clair. Il nous faut une fusée éclairante. Il nous faut de la lumière, Kyle. Attention, ça va péter ! J'en vois qui bouge. Du champ. Attaquez-nous, faites feu ! Oh yes, headshot, headshot, 3 headshot. 4 5 Ils sont partout dans le champ. 6 7 Ah merde, restez à couvert. Eight. Oh, beautiful. 9 Oh. 10 Wow, bazooka, attention. Putain, il... Allez, voilà. Boum. Voilà, ah, dépêchez-vous. Eh ben, juste devant nous, à un moment, ça va être marrant. Ah oui. Boum. 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 He's on fire. Mais, et voilà, comme des pigeons. Bon, par contre, ouais. C'est la dernière, mais parce que... Il y en aura d'autres. Bah bien sûr. Vos munitions. Presque à sec. La moitié. Presque à sec. Soyez précis dans vos tirs. Chaque balle compte. Bah ouais, sauf que là. Hey, deux véhicules qui font route vers le sud, extrémité du champ. Bien reçu. Ils ont dû se tirer. Ils se repositionnent. Oh, les schlag. Voilà, c'est chaud. Ouais, non, mais sérieux.
Ouais, par derrière, moi je l'ai dit. Eh ouais, mais je le savais. Position, c'est bien. Assez bâtiment nord pour faire le plein de munitions. On surveille la zone. Compris. Allons nous équiper à l'intérieur, sergent. Kyle, rejoignez-moi pour ravitaillement. Ouvrez ! Restez baissés et ne quittez pas ce bâtiment. Sergent, faites le plein et venez me voir. Compris. Bravo 6, ici Jaguar 4-1 pour soutien aérien. Parez à tirer. Compris, 4-1, en attente de cible. Y'a un soutien aérien de prévu? Un seul drone, avec peu de carburant. Compris, capitaine. On a un drone sur site. Indiquez-lui les cibles. Capitaine, on devrait évacuer le loup et dégager. Négatif. On défend cette position, et ensuite on avisera. Et si on le perd? C'est un risque. Bravo, envoyez le drone tout de suite. Je suis en route. De toi, go. Go. Suivez la sortie. 06, Jaguar 4-1 est au-dessus pour mission de neutralisation. On attend le rotif. J'arrive pas à lancer un fire fonctionnement. Utilisez la mienne pour marquer les cibles. Touché. Tirez. Véhicule non identifié de l'autre côté du champ. Un civil? Ou une voiture piégée? Tir effectué. Voilà, au moins c'est réglé. Civil ou pas, je m'en bats les couilles. Envoyez les véhicules ennemis et les hommes au sol qui viennent de l'est. À vous. Reçu 5 sur 5. Négatif sur les traits. Bien reçu. Marquage en plus. Alors ça, c'est du tir. Deuxième véhicule. Bien reçu. Missile en approche. Donc, ici, blanqué. C'est bon. Merde, loupé. Cible marquée. Bravo, Jaguar n'est pas encore prêt. Patientez. Réarmement, oui. Ah. Attendez. D'accord. Bravo, Jaguar est en position. On attend sa solution. So. C'est bon. Bien sûr.
marrant ça. En plein dedans. Jaguar 4-1 est à sec. On quitte la zone de mission. Bien reçu, 4-1. Merci du coup de main. Ça veut dire quoi? Il a plus de carburant, donc on est seul. On reste concentré. Why? Sniper. Près de ce bâtiment. Oh. Ils sont où là? Qu'est-ce qu'il me parle de mortier? Faut y aller quoi. On va y aller hein, wesh. Faut sortir de sa planque, c'est quoi le pain? Je sais rien moi s'il faut y aller. Attends, je le vois pas le mec. Why? Ah oui, d'accord. Allez, vas-y. Courte échelle. Let's go. Zéro 06, on est au bâtiment. On entre. Sergent, on doit se préparer à ce moment. Why? Oh, go.
Il a dit quoi, Arriba? Hein? Merde! Enculé! À toutes les unités, ici Bravo 2-6. Tous les mortiers sont détruits, le bâtiment est dégagé. Rejoignez-nous au complexe. Allez putain, oh là là. Atteignez le loup à la pièce sécurité du bâtiment résidentiel. Sergent, au bâtiment résidentiel. Rejoignez le loup. Mais sérieux. On va aller là-bas. Pourquoi il tire plus mon joueur? Ah mais putain, c'est n'importe quoi! Franchement, j'ai connu des campagnes mieux sur Call of Duty, là, franchement. Putain, pourquoi il revit d'ailleurs lui? Sérieux? Alors c'est pas trop bon, bah. Ok. Voilà. D'un coup les mecs ils... tu vois. Ouais. Merde, là c'était entre les barreaux quand même, faut pas pousser. Il l'a vraiment buté. Mais quel enculé! Foiré, va. C'est bloqué, venez m'aider! C'est bon. Personne? Il est parti. Ils ont cassé le mur. Putain de merde. Il est plus là, capitaine. On va le trouver. Adir, amène ton équipe au carrefour. Et prends tout ce que t'as. Oui, Farah. C'est quoi notre plan? Le loup est avec le boucher. Les terroristes de la ville. L'équipe Bravo va fouiller chaque maison. Mes hommes vous aideront. S'ils essaient de fuir par les montagnes, il n'y a qu'un moyen. Barry Kalmut, la route de la mort. Les Russes l'ont bombardé au cours de l'invasion, tué tous les civils qui s'enfuyaient. Il y a un village qui se trouve au carrefour.
J'ai envoyé Adir et ses hommes là-bas pour préparer une embuscade. Alex et moi les rejoindrons et trouverons des positions de tir au-dessus de la route. En attendant, l'avenue du loup. L'autoroute est en dessous. Adir a placé des renforts pour tendre une embuscade au loup. On fait des cibles faciles pour les Russes. Oui, on a peu de temps. Les hommes de Barkov sont en chasse. Il a plus le contrôle. Il va vouloir le prendre. Attends ici. En route. Intercepte le loup au col. Avant la guerre, ce village était rempli de familles et de rires. Le rire est le meilleur des remèdes. Pas une blague? Comment un agent de la CIA soigne une hernie? Comment? Avec une infiltration. Pas mal. Pas aussi drôle que je pensais. Mais j'apprécie l'effort. Gardez tout ça à portée de main. À vos ordres. Adir s'est placé en hauteur pour nous. Mon père surnommé Adir Shabal. Son petit. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Petit lion. Il est mort au combat. Tiens-nous au courant. Alex, par ici. Adir nous attend. Je lui ai dit d'apporter tout ce qu'il avait. Alex, regarde ça. Ah, ça bouge vraiment. Bien. La tuyau à calibre 338 transperce les blindages à 600 mètres. Je l'ai assemblé moi-même. Vas-y, prends-le. C'est gentil, merci. C'est un sacré fusil, mon frère. Protège-le de ta vie et il te le rendra bien. Merci, Adir. Je vais observer pour toi. Regarde dans ta lunette. On est frères d'armes, maintenant. Rends-moi fier, Alex. Allonge-toi. Ça t'aidera à stabiliser le tir. Regarde dans ta lunette. Faut te préparer. Cherche la lumière qui scintille près de l'autoroute. Je vois. Ali, rejoins les autres. Oui, commandant. Suis-le, et tu verras mon équipe en position près de la route. C'est bon, je les vois. Ils nous aideront quand on lancera l'attaque. Ils sont bien camouflés. Place une cible près du bus. C'est crevé, Vettelab. Parce que t'en es capable. Les encoches verticales, c'est pour ajuster la distance. Chaque encoche représente 200 mètres. Sortez. Mets-toi à l'abri. On va tirer. La cible est à 400 mètres. Donc vise deux encoches au-dessus. Deux encoches, entendu. Raté. Ne laisse pas impressionner par le fusil, Alex. Deux encoches, qu'est-ce qu'il y a ? Vise deux encoches au-dessus du bidon vert, et une encoche sur la gauche. Ah. Qu'est-ce qu'elle me raconte ? Genre deux encoches au-dessus. Ah bon? Touché. Elle chante pour toi, Alex. Mon frère, c'est ton plus grand fan. On va essayer une autre cible, à une autre distance. Il y a une maison bleue dans le fond, tu la vois? Ouais. Je vois la maison bleue.
Il y a un fruit sur la glacière. Distance 600 mètres. Fais feu quand t'es prêt. C'est presque ça. Encore à droite. Vise plus haut, sur la droite. Touché. Oh, bien, d'accord. Ce que veux-tu voir. Okay. Il est impitoyable avec les fruits. J'ai entendu ça. Yahyawem, concentrez-vous un peu, les garçons. Bon, t'as compris le principe. Oublie pas, utilise l'environnement à ton avantage. Les drapeaux t'indiquent la direction du vent et les bâtiments te renseignent sur la distance. C'est compris. Surveille l'autoroute. Il devrait plus trop tarder. Il y a du vent, mais c'est tout. J'ai repéré quelque chose, près de la pompe à pétrole. Rien que des chiens errants. Continue de surveiller la route. Le loup sera bientôt là. Un véhicule en approche par l'est. Bien reçu. N'attaquez pas. Ils ont repéré un véhicule, côté droit. Il dirait qu'on a enfin de la compagnie, mais ça n'a pas l'air d'être le loup. C'est des éclaireurs. Tire pas. Attends d'avoir un bon angle. Ali, tu les vois ? Ils montent sur le toit. Regarde le toit, Alex. Deux, sur le toit. C'est bon, je les vois. 400 mètres. Fais feu quand t'es prêt. Essaye de viser un peu plus bas, sur la gauche. Ils sont à 400 mètres. Ajuste deux encoches au-dessus de la cible. Touché. Il en reste un. Oh, good job. Good job, Allez, sniper. Sniper Seb. Adir a de la ressource. Son équipe est en train de placer un piège pour les hommes du loup. Alex, couvre l'équipe qui piège le camion. Même si on tue le loup, rien ne dit qu'on mettra la main sur le gaz volé. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passera si tu le trouves froid ? C'est pas envisageable. Bien. Maintenant, mettez vos couverts et attendez le signal. Les hommes du loup vont devoir déplacer le pick-up pour passer. Attends qu'il soit tout prêt, puis fais-le sauter. Coudin, je vois le convoi à l'air. Bien compris. C'est le moment de vérité. Soyez fort, Coudin. Les soldats du loup sont là, Alex. Sur la droite de l'autoroute. Trois véhicules d'Alcatala. Je les vois. Attends qu'ils soient à portée pour tirer. J'attaque ? Non. On les laisse s'approcher. Ouf. Ah, ils sont blindés, les gars. Ils sont au moins une trentaine, vingtaine, trente. Encore un peu. Allez, soyez pas timides. Ils le voient. Ils avancent vers le véhicule. Adir. Je les regarde. Tiens-toi prêt, Alex. Fais exploser le véhicule, Alex. Maintenant. À l'attaque ! Ouvrez le feu ! Ils sont à droite du bus.
joué, Alex. Chaud patate, le Seb. Oh. Oh. Enfin, faut juste comprendre comment ça marche, quoi, après. Alex, côté gauche. Touché. Alcatala sur le bus. Bien joué, Alex. Ah, bâtard. À l'intérieur du bus. Surveillez les fenêtres. Bien joué. Merde, c'est où? Oh putain, c'est où déjà? Ah oui. Wow! Le loup envoie des renforts! Adir, rappelle ton équipe! On se prépare, reculer! Fais-le! Ali, replie-toi, reste pas là! Tire dans les moteurs! Il faut les arrêter! Lâche! Aïe aïe aïe! Ah c'est. Aïe 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 aïe! Allez mais. Ah ça bouge trop! Allez! Allez! Allez, j'étais en zoom, c'est pour ça aussi. Il faut que je recharge. Allez, on y va. À l'intérieur, tout près. Et ils font quoi? What? Putain, les bâtards. Ouais. Le titre est en train de brûler et il revit, c'est. C'est vraiment bizarre cette histoire. Ouais. Oh là là! Putain, merde! C'est une arnaque, sa race là! Vas-y, start again, gay. Mais arrête de zoomer. Bon, allez, on n'a pas le temps. Voilà, c'est mieux comme ça. Quoi? Putain, les gars! Oh là là, mais ça me rend fou! Putain de merde! Ah ça me gave. Ah, franchement ça me gave. Vas-y là. Voilà, pas l'exam tombe dessus. Oh non mais ça me saoule putain. C'est automatique pour que ça me tombe dessus à chaque fois, c'est relou putain, non mais sérieux. Pfff, c'est...
putain, ça dure 10 000 ans là, vas-y là. Vas-y là, nettoie là, j'en bats les couilles, on les nettoie là, ça me saoule. Ouais, ça me saoule. Non, y'a personne. Fou, y'a personne. Putain, mais. Non, mais c'est fait exprès pour pas qu'on. Ah là, c'est moi, ça me gave. Allez! Ah bah oui, voilà. Tiens, vous aussi crevez pour m'enculer. Ah, mais eux ils crèvent pas. Hein. Ah non, eux le feu. Ils ont une armure de feu. Hein. Sérieux, c'est. Allez, moi aussi il enflamme le bande de merde. C'est qui? Ah ouais, d'accord. Il y a des mecs, personne. Ah d'accord. Non mais sérieux. Mes potes ils font quoi là? Non mais sérieux ils font quoi? Il y a combien des mecs là? Oh non non non. Ah, il Alex, descends-les! Non, mais ils sont où? Surveille le flash quand ils tirent. J'ai un véhicule. Ils sont morts. Alex, une autre équipe de mortiers d'Alcatala! À Bala! C'est bon, négatif, il reste non. Un mortier actif. Ah mais... J'ai pas de visuel, qu'est-ce que tu vois? À 600 mètres, Alex. J'ai du mouvement, près de la maison bleue. Je les ai. Mortier neutralisé. Ah, je suis une quiche. Sur le pick-up, tout de suite. Non mais ça arrête pas de bouger, là, c'est chiant. Ouais, non mais attends, tu m'en demandes trop. Il explose et ça nous aurait sifflé alors que c'était. Le loup doit être en chemin, sinon ils auraient pas envoyé ses forces faire le ménage. Commence à placer des EEI. Adir et moi, nous allons renforcer le périmètre. Alex, fonce au bunker à l'est et fais le plein de munitions pour le loup. Garde le fusil avec toi, Alex. T'as trop parlé, j'en avais marre. Le loup doit être en chemin, sinon ils auraient pas envoyé ses forces faire le ménage. Ah merde, oh, c'est relou, on recommence. Adir et moi, nous allons renforcer le périmètre. C'est elle Alex, qui est nulle. Fonce au bunker à l'est et fais le plein de munitions pour lui. Garde le fusil avec toi, Alex. On va attaquer à longue distance. Ah bon? On va me casser les couilles, là.
Encore des explosifs à dire? Et pourquoi pas? Comme tout à l'heure, l'ennemi approche, on le fait sauter. Garde tes distances. C'est bien fait, hein, franchement. Bon. Alex, le capitaine Price appelle à la radio. Il dit que c'est urgent. Allez-y. Leader, ici Echo 3-1. Alex, le loup a quitté la ville. Il est dans votre direction. On est en route. Sniper ! À couvert ! Leader, on attaque l'ennemi. Restez planqués ! Il faut pas qu'il vous voie. Bien reçu. On arrive. À couvert ! Les coups de feu venaient de l'autoroute. Je l'ai. Descends-le, vite ! Le vent a changé. Le vent est bien plus fort. Tu vas devoir ajuster. Quatre encoches sur la gauche. Je le cherche. Il change de position. Il change de position. Il change de position. Boum. Je l'ai. Bien joué, Alex. Alcatala se regroupe de l'autre côté de l'autoroute. C'est peut-être lui. C'est à 600 mètres, Alex. Élimine-les. À fond là. L'armée de Barkov sera bientôt là. Va à gauche, je vois une fumée blanche. Alex, essaie de les arrêter. Qui ça, moi? Monsieur Chass. Un sniper, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, si, si, quand même. Ça, si, si, c'est bien fait les pneus. Ah, mais putain, eh. Oh. Ah oui, mais il y avait des explosifs là-bas, quoi. Fallait le dire. Merde, je perds de batterie. Ah. Il nous faut plus de puissance de feu. Sur le point, il y a des chargements.
Ouais, mais les mecs, faites quelque chose. Soldats, on tue le bâtiment. On tue. Allez, Alex, derrière la voiture, dans mon pantalon. Aide-moi, aussi. Il a dit quoi? Oh mais putain, mais pourquoi il bouge pas? Allez! Putain! Oh ça me casse les couilles! J'aime pas de masque ça! C'est vraiment un enculé! Lui il prévient pas tranquille! Bah oui, on a fait crever par sa faute quoi! Enfin, on a une chance. Non, pas comme ça. Ah. Alex. Écoute-moi. J'ai volé le gaz aux Russes. Pour nous aider. Juste pour nous aider. Dis-le, enfin. Dis-lui, Alex. Vachement bien les yeux là, maman. Une petite fille. C'est ma petite fille. Allez, on la sort de là.
tu crains plus rien. Tu crains plus rien. Allez. Passe la par ici. Michel, tiens. Passe la par. Ma petite Farah. Je suis tellement heureux. Non! Où est mon fils? Ah! Où est Adir? On l'a laissé dans la maison. Maman est morte. On va sauver Adir. Et on va partir. Ils cherchent des combattants de la résistance. On doit partir tout de suite. Je peux pas. Mon fils est à la maison. Je vais t'aider. Allez, viens, suis-moi. Papa, j'ai peur. N'aie pas peur, chérie. Je reste avec toi. Il y a des enfants ici. Ne tirez pas. On n'est pas armés. Putain, les escrocs, ils tirent. Putain, tout le monde en panique là, sérieux. Ma chérie, je vais aller m'assurer qu'on craint rien. Reste derrière moi. D'accord, papa. Fais ce que je te dis et tout se passera bien. Ok. Allons-y. Par ici. On va s'arrêter pour l'instant. Je suis un petit peu fatigué, j'ai envie d'arrêter un petit peu Call of, donc on fera ça dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.